suffit de peu pour amuser les enfants. Certains oublieraient presque la semaine passée à préparer le marché de l'Avent de Morchevillers-le-Bas. C'est toujours un plaisir, même si c'est beaucoup de travail pour deux jours, quoi. Au moins on voit que les enfants, les parents sont heureux. L'équipe technique est bien motivée aussi. Donc c'est toujours un plaisir, quoi, d'organiser tout ça, quoi. On sent qu'on apporte quelque chose, quoi. Ça va être le moment du concours de Manala. C'est ouvert à tous les enfants de 5 à 15 ans. Ils seront accompagnés par des maîtresses en Manala. Il n'y a pas de souci. Des expertes en Manala. C'est comme ça. Et les mains expertes sont bien nécessaires. Pour nous, ce n'est que du bonheur, parce que les enfants, c'est un plaisir de les voir faire eux-mêmes leur petit bonhomme, hein, ou les petits gâteaux. Donc c'est du bonheur de les voir après rechercher. Ils sont tout contents de voir qu'ils ont réussi à faire quelque chose de très beau. Ah, voilà, super. C'est ça. Après, il faut faire les bras. Ouais, c'est bien. Vas-y, coupe encore un petit peu, regarde. Mais dans l'autre sens. Lui n'est pas prêt pour le concours des enfants. Vous avez fait votre choix? Oui, bien sûr. Voilà, je crois qu'on a rien du tout pareil. Le choix n'est pas facile pour les jurés. Donc, premier prix, Morgane, c'est le numéro 11. Et pour le concours des adultes, Philomène remporte le prix. Ce que je cherche ici, c'est les magies de Noël, c'est les parfums de Noël. Et passer un bon moment avec la famille et les amis, et les gens du village. Ici, ce n'est pas un simple marché de Noël. Il y a bien plus que des stands. Les habitants sont surpris par notre imagination. Parce que là aussi, ce que nous avons souhaité, c'est chaque année leur offrir du rêve. Hein? Leur offrir du rêve, et là vous le voyez encore cette année avec notre forêt magique, hein? C'est un moment, on oublie nos soucis, on se retrouve, et quand on rentre dans cette salle, c'est une ambiance généreuse, une ambiance de solidarité, et surtout, c'est du lien social avec des personnes âgées qui peuvent se retrouver. Alors, ça va? Oui, la recette est simple. Manana, prête à la café. Et ça marche. Il y a des gens qui nous ont dit, finalement, si on ne fait pas ça, on ne peut jamais manger ensemble au restaurant parce que c'est trop cher. Et c'est là, finalement, notre objectif est atteint. C'est vivre ensemble, c'est faire plaisir, apporter de la joie, apporter du rêve. Le père Gilles vient régulièrement visiter ce marché en famille. Quelles que soient les croyances, les origines, le milieu social, je vois que tout le monde se retrouve ici et donc ça peut que nous réjouir. Et je crois que c'est déjà quelque chose de la chaleur de Noël et de la lumière de Noël qui est ici en ce début du temps de l'Avent. Et bien, je souhaite que tout cela puisse nous conduire non seulement jusqu'aux fêtes de Noël, mais également durant toute l'année où nous avons tant besoin de chaleur. Alors gardons la chaleur de Noël, la lumière de Noël et ces liens qui nous unissent ici tout au long de l'année. Les près de 80 bénévoles mobilisés cette année ont déjà un programme tout tracé pour le premier dimanche de l'Avent 2017.